bien, Je suis Paula et vous écoutez un nouvel épisode de Corpstock, un podcast de Marvel Planet. Les jours se suivent, les reviews s'enchaînent, mais les comics sont différents. Bienvenue dans la fin de tout, les univers ont fusionné, la Secret Wars est lancée, d'où mérite notre amour à mort les fantastiques forts. Partons dans la contrée de 1602 avec Angela, la chasseuse non pas de vampires mais de sorcières. Alors, petit récapitulatif. 1602, à la base, c'est un comics de Nel Gaiman qui place l'univers Marvel dans l'Angleterre de la reine Elisabeth I. C'était en 8 issues et il y avait Andy Kubert et Richard Asinov au dessin. C'est d'ailleurs disponible maintenant en... c'est quoi ce format C'est absolument le, le gros truc là avec le coffre et qui coûte 75 euros, un truc dans le genre. Bref, donc si vous voulez lire euh, 1602 de Nel Gaiman, c'est ce format qu'il faut aller chercher. Et comme Neil Gaiman est le papa de Angela et Poxpawn, c'est un peu normal qu'on envoie Angela et Sarah dans le monde 1602 pendant euh, Secret Wars, donc qui forme le Battle World. Alors bon, 1602 version Secret Wars, ça donne quand même Marguerite Bennett et Kiran Gillen au scénario et Stephanie Hans au dessin. C'est bon, tout le monde est convaincu, top, super, à la prochaine et c'est review est finie fini. Non, plus sérieusement, on retrouve évidemment Angela et Sera qui sont amoureuses, Angela qui accepte des missions euh, bah, qui, où elle va tuer des gens, et Sera qui raconte des histoires. Sauf que Sarah commence un peu à courir sur le haricot de Enchantress ou de la reine Faustienne, et elle lance malheureusement une malédiction à Angela et Sera. En gros, ça dit que si... Angela continue de tuer les démons Faustiens, euh, au bout du troisième, euh, Sera va mourir. Tintintin euh, voilà, ça, ça pue un peu, mais euh, est-ce que ça va être le cas je, je ne sais pas, enfin si moi je sais, mais je vous en dis pas plus. C'était vraiment très cool. En vrai, si vous avez aimé le précédent comics avec Angela et Sarah, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas celui-ci. Parce que en plus, cette ambiance 17 XVIIe siècle, elle est cool. On retrouve les gardiens, on retrouve Rogue, on retrouve Clock and Dagger. Et, et vraiment j'ai aimé, et si j'avais déjà aimé le précédent. Euh, comics avec Angela et Sarah, et ben j'aime celui-ci encore un peu plus, même si je dois avouer que lire ça en VO, c'est un peu chaud. Mais des pages entièrement réalisées par Stéphanie avec un petit peu le passage de euh, Marguerite Sauvage, il y a aussi Frasier Vigne, entre autres, c'est quand même pas dégueulasse. Si Crétoire, je pourrais en parler ou pas pendant des heures en disant « le mal que j'en pense, mais les tie c'était vraiment très très bien. Et je trouve que ce tie là ne perd pas en fait son, notre temps et son temps de. Il va reprendre ce qu'on avait vu. Enfin, il va reprendre les grands éléments de Angela et Serra. Il va les mettre dans un nouvel univers. Il va un peu faire avancer l'intrigue, parce que vous verrez avec la prochaine lecture dédiée à Angela et Sera qui évidemment se raccorde plus avec le le truc précédent où justement c'était focus sur elle tout en n'oubliant pas 1602 et je trouve que ces trois comics forment une bonne trilogie et forment une très bonne unité même si ça se passe pas à des époques euh, identiques et même s'il si y a des euh, impératifs qui sont très différents. Donc ce taille 1602, c'est très très bien. J'ai pas lu en VF mais je crois que la VF était un peu plus abordable parce que franchement la VO, il y avait des moments où j'étais Perdu! Mais c'est pas grave parce que c'est très beau et qu'on comprend et qu'on aime toujours Angela et Sarah et qu'on les aime encore un peu plus. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette review vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher des pouces. Merci, merci. Ça m'évitera de me sentir un peu seule. Et on se retrouve pour lire la série Thors qui était encore un tie-in de Secret Wars. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à Marvel Planet. A bientôt